reborn. Chaos reborn. Ha! Wow! Mais que se passe-t-il ici? On ne comprend rien. Ah! Venez voir mes frères et sœurs. Asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. Venez voir, regardez. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré ce pasteur-là en train de se réjouir de la mort de T.B. Yeshua. Regardez. Ça, c'est la nouvelle. T.B. Yeshua est totalement mort. Que quelqu'un dise Alléluia. Et quand on a regardé ça, on s'est dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe chez le pasteur? Pourquoi se combat-il comme ça? Est-ce que ce sont vraiment des pasteurs? Alors que nous, on cherche à savoir la réponse à cette question. Voici que j'apprends que dans l'espace de juste quelques heures après la disparition de T.B. Yeshua, un autre pasteur est tombé. Puis, un autre encore. Ça fait 3 pasteurs qui sont partis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Regardez, regardez le corps, regardez le corps. Ah! Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais, que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il au Nigeria? Comment se fait-il qu'en l'espace de quelques temps, des pasteurs puissent partir juste comme ça, sans que l'on sache ce qui se passe en réalité? Ça, ce sont des disparitions mystérieuses. Après la mort de T.B. Yeshua, 2 autres pasteurs le suivent. Je ne le connais pas personnellement. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, hein, qu'est-ce que c'est que ce signe? Est-ce que Dieu veut nous montrer quelque chose? Qu'est-ce que Dieu veut-il nous faire voir? Est-ce que ces pasteurs sont réellement morts? Parce que moi, tant que je n'ai pas vu le corps, je n'y crois pas. Hein. Peut-être qu'ils sont cachés quelque part. Et on nous annonce leur mort. En tout cas, quand ça a commencé à se passer sur Internet, quand les gens ont commencé à parler de ça, des gens ont appelé sa fille. Et elle, tellement paniquée, elle a dit que non, son papa est vivant, son papa va bien. Mais quelques temps après, elle a rappelé ces gens-là pour leur dire qu'effectivement, son père avait rendu l'âme. Les circonstances de la disparition de T.B. Yeshua restent quand même mystérieuses. On nous dit que la police a ouvert une enquête. La police veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. D'autres pensent, d'autres sont en train de dire que sa femme a vu 3 personnes. Genre les 3 dernières personnes avec qui T.B. Yeshua a causé ou a échangé avant sa mort. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? 57 ans, est-ce que c'est beaucoup? Même si c'est 60 ans, qu'en pensez-vous? Et ces gens-là avaient un point commun. Quel est le point commun entre ces gens-là? Le point commun entre ces personnes que vous voyez à l'écran, c'est l'argent. Ces gens-là, ils étaient riches. Riches. Ça se voit de toute la façon. Ils n'ont pas besoin de vous dire qu'ils sont riches pour que vous puissiez savoir cela. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché?
Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu, quoi. Waouh. Et sur Internet, ça fait déjà beaucoup de bruit. Et il y a d'autres pasteurs, comme le pasteur que je viens de vous montrer là. Il y a d'autres pasteurs qui se sont levés pour dire à qui le prochain? C'est-à-dire, eux, ils attendent encore à ce que les autres pasteurs tombent. Ils se sont dit à qui le prochain? On souhaite que tel pasteur tombe. On souhaite que telle personne tombe. Hein? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est devenu un règlement de compte? Cela, certains pasteurs, maintenant, ont fait de la récupération. Genre pour dire que, bon, comme Tibi Yeshua est parti, il est mort, alors qu'il nous avait dit qu'il allait fêter son anniversaire, ça veut dire que c'était un faux pasteur. Donc, si c'était un faux pasteur, moi, je vais me faire passer pour un bon pasteur, un vrai pasteur, pour récupérer tous ses fidèles. Parce que c'était pas besoin de le faire. C'est de la récupération. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Mais ces gens-là sont partis. Mais ces gens-là sont partis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les prophètes d'aujourd'hui ne sont plus les prophètes. Ce sont devenus des sorciers. Aïe, aïe, aïe. Qui peut me dire ici ce qui se passe? Qui peut me dire ici ce qui est en train de se passer? Nous nous sommes assis sur le tabouret. Oui. Nous sommes assis sur le tabouret et on vous regarde. Vous qui faites le bruit sur les réseaux sociaux. Vous qui n'êtes plus un, vous faites passer pour des dieux, des pasteurs dieux. Ha! Nous, on est là ici. Bien assis sur notre tabouret et on vous regarde. Au lieu de dire le nom de Dieu, vous dites votre nom. Nous nous sommes assis ici et puis on vous regarde. La femme enceinte là, elle ne peut pas cacher son ventre. Tout ce qui est caché sera révélé tôt ou tard. Repentez-vous, repentons-nous et mettons Jésus-Christ devant. Lui, il a dit, ah bon, il ne peut plus mourir encore. Heureusement qu'il est ressuscité, hein? Sinon on ne parlerait plus de lui. Ah! Combien de temps les gens vont-ils pleurer? Ils vont sans doute pleurer juste un peu de temps. Mais après, toutes ces personnes vont passer. Mais la parole de Dieu demeurera. Ainsi que les œuvres. Aïe, aïe, aïe. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.